Où est-ce qu'ils peuvent bien être, c'est pas qui. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Il y a un autre truc. On peut retourner là-bas. Je me demande ce qui. Je peux couper par la plage pour aller plus vite. Ouais, génial, je peux le faire. Tu prends le bus, tu prends le bus et oh! Cool, il fait jour. Oh, putain, on dirait un ovni le truc. Tiens, il y a une caisse. Bien sympa ça, je peux tracer en bombe jusqu'au poste de douane. Ah, c'était un peu. Putain, bizarre, je pensais pas faire une action. Le cassage de nuque parce que j'avais martelé F tout à l'heure à la base et j'avais donné que des coups de couteau. Bizarre tout ça. Wow, je voulais pas monter mais bon. C'est par là. Il y a plein de trucs à explorer, plein de. Plein de petits trucs. Ah, j'étais pas allé venu au rez-de-chaussée. Ça peut être sympa, il y a peut-être des trucs à prendre. Il n'y a pas grand-chose à prendre, à part les casiers à fouiller. Allez, on remonte à l'étage, on va réparer le. Je sais pas c'est quoi exactement en fait cette machine. Attendez, il y a le nom dessus. Non, même pas. Ah, c'est l'antenne. Non, même pas l'antenne, c'est. Bah, c'est le. On va dire un serveur, voilà. Qui arrive à Philippe par la mer. Je suis sûr que ces informations seront très utiles pour la résistance. Mine incendiaire, on s'en fout. Pistolet pneumatique, non. Accessoires. Philly Alpha, ici Tony. Allez-y, Tony. On a perdu le véhicule qui transportait Walker. On va essayer de retrouver sa trace. Putain. Ok, prévenez-nous au moindre indice. Paris dit qu'il veut des infos solides au plus vite. Pas de problème. Ah, il fait jour. Non, franchement, la nuit, ce jeu, il est. Putain, il est dur à jouer. Bon, moi, c'est sûr que quand la lampe torche, elle sert vraiment. Parce qu'il y a des jeux, en fait. Il fait noir, mais pas vraiment noir. On y voit quand même un peu. Du coup, la lampe torche, elle sert à chi. Et ça arrange pas nos affaires. Tiens, il y a quelque chose ici ou pas? Non. J'aurais peut-être pu cacher un truc. Ah, là, il y a un tremplin de moto. Alors, je crois même dans mes souvenirs que j'ai vu qu'on pouvait activer des générateurs en accélérant sur un tapis roulant qui fait tourner une turbine pour la moto. Excusez-moi si je vous ai perdu, mais en gros, on active des générateurs avec les. Ben, avec une moto, quoi. Attendez, on va faire chaque chose en son temps. Alors, qu'est-ce que. Je crois que j'avais des missions secondaires en plus. Ah, les trackers, ça doit être ces petites merdes volantes, à mon avis. Mais voir s'il y a pas. Je crois qu'au bureau des douanes, on peut trouver des missions aussi. On va les choper aussi. Ça peut toujours servir si on les accomplit. Bah, c'est bien d'ailleurs que ce soit, on va dire, un peu des défis, ces missions, que des points stratégiques à rejoindre. Parce que ça aurait été vraiment chiant, quoi. Du coup, je regarde si on n'a pas une mission à prendre. Des fois aussi c'est bien d'être seul, mais bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir de mission.
On va voir, attendez. Peut-être c'est, ça doit être marqué sur le bâtiment, les infos. Non. Bon, tant pis, ça c'est des caches. Radio, radio activé, cache. Cache de la résistance. On va explorer ça. Hop là. Alors ça a l'air d'être sous l'usine. Je pense pas l'avoir l'avoir dégoté, sinon je serais, ça serait pas affiché sur la carte. Il y a moyen. Ah, peut-être c'est en hauteur, j'y suis pas allé voir. C'est pas une cache ça. C'est un mec mort. Ah, il aurait dû y avoir eu de la fight ici. J'aurais tué une tue pour poignée de dollars. Alors, qu'est-ce que c'est en haut? Ah ouais, c'est en haut. Bon bah, faut que je trouve un moyen de grimper en haut. Est-ce que ce bip c'est l'objectif ou c'est un ennemi qui se rapproche? Message à tous nos combattants de la résistance qui arpentent les tunnels, qui fabriquent des pièges, qui mettent au point des armes. Continuez ce que vous faites. Vous êtes des légendes vivantes. Les armes de la PC vous disent tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Elles sont efficaces, méthodiques, perfectionnées et mortelles. Le résumé parfait de ce qui caractérise la PC. Et regardez les armes de la résistance. À sable, assemblé à la grâce de Dieu, mais entre deux éléments. Tiens, il y a des photos ici. Ah, les RCXD. Ah, ça montre comment péter un truc. Alors, faire péter un portail, couper la serrure, envoyer une RCXD. Ah putain, j'ai pas assez de place. Fuck, faut que je revienne. La situation est tellement merdique. Les membres de la PC ne sont que des... On a un problème, Brady. Norco a installé une base de lancement de Duster. Ils vont s'en servir pour gazer les autres zones rouges. Tu dois la détruire avant le lancement de ces foutus Duster. Je peux pas engrandir le putain de sac à dos là. Matériel, pickpocket. Ah, ça doit être ça. Allez, retour en arrière, on va regrimper en dans sur le bâtiment. Excusez-moi si je vous fais chier à explorer, mais faut que je me faut au moins que je libère la zone et que je me prenne 2-3 les bases. En plus, simple ça, si je finis le jeu pour, avec un 100%, c'est nickel. Oula. Faut pas que je me tue, moi. Votre communauté et votre âme méritent
celle d'être échangé contre un bain chaud ou une fenêtre. Putain, ils sont partis. Il va nous falloir plus de masques à gaz. Au boulot, Brady. Merde, un dirigeable approche. Il faut vous barrer. Avec leur habituelle jubilation sadique, les Norcos ont balancé tous les plus grands pompes, actifs et artistes de la ville avec les filles. Ils pensaient sans doute qu'on leur réglerait leur compte, que les individus les plus dangereux de Philly les réduiraient en pièces. Comme c'est pas passé. Les activistes, ils avaient répondu plus fort et à et on se retrouve maintenant avec... Ah, attends, il produisait son électricité avec un vélo, d'accord. Bon, on reviendra à ce cache à un autre moment, hein, mais je pense qu'il y a, il y a un peu de tout, il y a munitions et objets rares. Des caches de la résistance. Attends, on en a deux du coup, on va faire un tour à celle-là aussi. Avant, je vais aller vendre mes je vais aller vendre tout ce que j'ai trouvé encore. Est-ce que je suis le fifou? Non. Alors, c'est tout bon. En dessous. J'y étais allé. Bon, on a fait ce cache aussi. On va aller voir. Alors ça, le fort, on l'a fait. Donc ça, c'est quoi? Plus haut, c'est le dépôt ferroviaire. Waouh, ça a l'air sympa, ça. On va voir si je peux récupérer les potes. C'est parti. Ah, j'espère pouvoir l'avoir pris en photo. Putain, ça va mieux maintenant. J'avais pas vu. Ça va aller. T'as des putains d'entrées partout dans ce bled. Waouh. Ah, c'est sûr, là on manque pas d'exploration. Pas des mines. Si vous parvenez à y accéder, on pourrait le réaménager pour la résistance. Et ce putain de panneau électrique. Ah voilà, c'est ça.
Ça m'avait bien fait rire. Faire avancer des rouleaux pour faire tourner une turbine, une dynamo et faire de l'électricité. Fallait y penser. Maintenant qu'on s'est occupé du courant. Petit changement de... changement d'ambiance. Ah, attends, j'ai une zone où c'est toujours rouge. C'est l'endroit idéal pour installer un poste. Bien joué, Brady. Et voir si je peux... personnaliser l'équipement. Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Arv et son équipe. Qu'est-ce qui est arrivé? Faut nous récupérer, non? Arv s'en est pas sorti. Marie? Non. Bande d'enculé. Un nouveau membre de l'équipe a survécu. Un dénommé Brady. Il a aidé Walker, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, je me souviens. Arv avait mentionné son nom. Faites-moi penser à vous payer un verre à mon tour. Alors, on va aller faire un petit tour ailleurs. Alors ça, c'est une cache. Alors il y a une cache de résistance ici. On va aller la piller. Ah, où est-ce qu'elle est cette cache de merde? C'est par là-bas. Ça va, allez. Brrr. Oh, un entrepôt de Fenwick. Ah. On va voir s'il n'y a pas d'autres trucs à fouiller. Sinon, on va retourner faire un... retourner vendre nos objets. Regarde s'il n'y a rien à piller. Parce que j'aurais bien voulu un petit truc qui vole. Parce que j'ai un défi à relever, moi. Je sais même plus où c'est la direction. C'est par là. Ah putain, ça faut juste que... Est-ce que déjà j'ai réussi à prendre l'autre merde en photo tout à l'heure? Photographier des trackers, putain. Non, non, il l'a pas pris en photo, j'ai l'impression. Allez, on va pas s'arrêter là. Il y a l'air d'avoir une radio et une cache par là-bas. Où est-ce que c'est? Ah, c'est par là. Je vais pas y aller en véhicule, hein, sinon ils pourront pas me suivre. Non, ça s'ouvre pas.
Doubidou bidou 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 bidou. Comment on va là-bas? Ok, il va falloir passer par l'usine où on était en fait. Tout simplement. Ah, une zone ferroviaire carrément. Ah d'accord, ils veulent jouer à ça. Pas de problème. Je pouvais pas glitcher, hein. De toute façon l'entrée était juste là. Des grenades, j'en ai pas besoin. Ça c'est des boîtes à munitions. Ah d'accord, je crois que c'est les munitions en fait que je suis vraiment blindé. Les ressources après c'est autre chose. Hop là, il y en a une autre là-bas. Ah bien sûr, on peut pas passer par là. J'espère qu'ils vont pouvoir me suivre, ma team. Ah, bah ça c'est mon bâtiment, attendez. Ouais, je suis con, moi. Yamakasi frère, Yamakasi. Alors où est-ce qu'il faut aller? Ah c'est ce bâtiment alors. Tiens, il y en a un grand autre ici. Oh, ça va péter. Je suis en face de quoi? Ah, une zone rouge, d'accord, ça explique tout. Bon, on me laissait rentrer dans le bâtiment et promis après je me casse. Ah, oula, bloqué. Ça s'ouvre pas. C'est pas grave, il y a l'entrée par dehors. Hop là, Far Cry like. On a un gros problème. Les Norcons ont découvert une planque et une cellule est piégée à l'intérieur. Si quelqu'un est à proximité, ils ont besoin d'aide. Et vite. Ah, c'est la guerre ici. Tiens, comment on va rentrer dans ce bâtiment? Je me le demande. On va faire le tour, hein, on n'est pas allé voir derrière. Ouais, ça a l'air bien crasseux ici. Il y a quand même pas un sniper qui tente de me la mettre là. Ça va pas le faire. Voilà, toi t'es mort. Mort, fini et enterré. Putain, mais elle est où la planque? Attends, je vais rentrer moi. Ah, ils me disent qu'elle est en haut ou quoi? Est-ce que j'aurais mal regardé? Ah mais c'était ça la planque, ok, d'accord. D'accord, excusez-moi. Alors, la sauvegarde. Allez, on va aller en pleine zone ennemie. La sera en train d'installer une nouvelle base d'opération dans la cale sèche d'Elmtree. Si on la reprenait au Norco, ce serait un bon moyen de faire entrer des marchandises dans la zone.
Faut sauver le Rey. Ah, parce qu'elle était à nous, ce planque de merde. Parce que c'était notre planque. Putain, bande de cons. Moi je suis un dingue, je prends un bastion à moi tout seul. Aujourd'hui son seul client est un émetteur de la PC. Si vous trouvez le moyen de pirater leur réseau, on pourrait obtenir des renseignements précieux sur les opérations de la PC dans le secteur. Toutes les zones rouges sont strictement réglementées et interdites. Allez, c'est parti. Voilà. Bravo pour la capture de cet émetteur. Ah d'accord, ça explique pourquoi j'avais pas mal de rouge dans la gueule. Grâce à vous, ce sera plus simple de surveiller les mouvements de la PC dans la zone. Par contre, elle ouvre ma cache d'armes, ça va pas le faire. Je veux mes guns. Est-ce que... Ici ouais. Alpha, ici Tony. Du nouveau ? On vient d'attaquer une patrouille Norco. Impossible de leur soutirer la moindre information sur les corps de Wolf Walker. On a dû décamper dès que les renforts sont arrivés. Reçu. Faites gaffe à vous, les gars, sérieusement. Jouez pas les héros. Dès que vous trouvez quelque chose, vous appelez les renforts. Tu t'inquiètes pour moi, Philly Alpha ? Je m'inquiète surtout pour les un $10 petit 600. Que tu dois. Non, continuez de chercher. Mais ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Et là, on va aller un peu fouiller. Alors, qu'est-ce que on a comme planque? Attendez, on a une autre magasin d'armes, une radio. Allez, activez cette radio. Où est-ce qu'ils sont? Ok, d'accord, il y a un mini tank là-bas, je vais pas me... J'ai pas encore de quoi l'attaquer, je crois, on va faire gaffe. Soyez prudent, Brady. La PC a placé des snipers dans cet immeuble pour surveiller la route menant au bastion à proximité. Si vous parvenez à les éliminer, on aura un poste d'observation parfait en vue d'une expansion future dans la zone. Et ta gueule. Ok, ils veulent que je monte encore un étage. Génial. Oula, comment je vais grimper cette merde moi? Est-ce que j'ai... Non, je vais... Le coup du rebord, je le sens pas. On va pas tenter. Oula putain, comment je suis censé monter là? Attendez. Est-ce que je dois y arriver? Bah, je vais devoir y arriver depuis un autre bâtiment. Hop là. On va bien faire gaffe de tout prendre. Attends, il y a un canard en plastique. Ah merde, qui me tire dessus? Ah bah ouais, il y a une forteresse juste en face.